La consultation avec un enfant et particulièrement avec des petits nécessite d'arriver à obtenir de leur part une confiance de façon à ce qu'on puisse examiner au mieux tout ce que l'on doit regarder. Donc bien entendu qu'il va falloir utiliser des petits jeux, des jouets colorés pour attirer son attention. On va essayer d'être plutôt dans une consultation jeu et à ce moment-là, on va essayer, lorsqu'il s'agit de tout petit, d'obtenir le maximum d'informations par l'observation, notamment s'il a un strabisme, c'est-à-dire s'il a un œil qui est dévié, est-ce qu'il a une paupière qui n'est pas positionnée correctement, est-ce qu'il a une position compensatrice de la tête, une tête tournée particulièrement d'un côté ou de l'autre. On va essayer donc aussi d'obtenir qu'il regarde dans différentes directions de façon à pouvoir observer si ses deux yeux fonctionnent bien l'un avec l'autre. Quand on a ensuite affaire à un enfant un peu plus grand, bien là on va déjà pouvoir tester sa vision, donc on va utiliser des images pour les tout petits, que ce soit les plus petits, que ce soit de loin ou de près. Quand ils sont un peu plus grands, on peut utiliser un dispositif de forme qui va être dirigé dans certaines directions que l'enfant donc peut manipuler avec aisance, ou bien quand ils sont encore un petit peu plus grands, eh bien on peut déjà passer aux chiffres, voire au texte. En tout cas, ce qui va être important, c'est toujours de déterminer s'il y a un œil qui voit moins bien, s'il y a un œil qui est dévié, donc s'il y a un strabisme, de façon à pouvoir prévenir et ensuite apporter les traitements adéquats. L'examen orthoptique se poursuivra par l'examen ophtalmologique par le médecin avec dilatation des pupilles, examen de la réfraction et du fond d'œil.